Guys, les Guardians, c'était horrible. C'est pour ça que ça a marché, là. Mais lui a bien réagi à ton mauvais guy. Lui a continué, puis ça a bien marché. C'est là la différence. Mais c'est vrai, ton guy. C'est bien, c'est bien que t'attends. Faut que je dans le. Moi j'ai deux personnages, fait que je suis meilleur que toi. What are you using as a capture card? It's a dazzle. You will have to explain me how to do all. Oh! They're hosting us, nice! Is it Baz? SSB Montreal? Why? Is it Baz? Because I need to talk to you about the said capture card. Yeah, it's Baz. Okay, how do you set it up? I need help. I did it with Amarek and the window capture. It's pretty bad. Ouh! That DI though! T'aurais tellement pu survivre! Ouais, c'est légèrement one-sided. Oh, bon read. Bon read, mais mal spacé. Well, I'd recommend using OBS Studio. It's OBS, the regular OBS. I don't know if Studio is better. Maybe it is. It crashed on last time I had it though. Alright, convincing tree stalks. Yeah, I'm using the regular OBS right now. It's doing quite well. Yeah, I know it's the newer version. Is it that that much better or? Because I don't mind switching. Yeah, I think you guys are using a dazzle too, right? Unless Dazzle works with OBS. It does work, but the sound keeps disabling itself. Yeah, we definitely need a better capture card. Crossbar thing that rar. Alright, I'll check this out later. This lets you get the audio from the Dazzle. Oh, thanks. And we don't have the command here, so other viewers, go on Twitter and follow Bazkip, follow Baz. Let's keep the meme rolling. Would not up air though. Oh, and I don't know if Stowe warned you guys, but SATR 6 is on June 4th. We have the confirmation with our venue. I'm starting to check for the stream, everything working. I'm practicing my Yoshi to make the sickest of comebacks on Smash 4. Here we go.
That was a questionable forward smash. Yatimele à cet exercice? Non. Malheureusement. On voudrait organiser un autre tournoi de Melee. En fait, la raison principale pourquoi il n'y en a pas à cet exercice, c'est le manque de temps et d'espace. Parce que Smash 4 a beaucoup de succès. Deuxième raison, localement à Trois-Rivières, on n'est pas assez de joueurs pour organiser un tournoi qui se tient. Donc on dépend vraiment de l'extérieur. Donc si on va en faire un, ça nous prend vraiment une réponse de l'extérieur. On sait qu'on pourrait potentiellement l'avoir, sauf faut qu'on s'y mette là. On est juste... En ce moment, la communauté de Melee, ça se résume à Plotlazang et moi, avec les autres qui sont encore ici pour l'instant. Donc on est à peu près 5 ou 6 comme communauté de Melee. Puis on procrastine un peu sur l'organisation là. Mais éventuellement, on va organiser quelque chose sur Melee. Potentiellement, on se met à garage. Donc, stay tuned. Wow! Qu'est-ce qu'il reste à jouer comme set, là? Complètement fini! Woo! Some serious gameplay. Yeah. So, we are hosted by SSB Montreal. Let's just have a nice talk with Baz and the people. So, how are you guys doing? We just had our first Melee Weekly. It was very fun. Yes, it was. I had a great time. It was a round robin format, so we did one big pool of players, and everyone had to play everyone. And basically, I ended up on top. Because Plotlazang here and I were tied, but his only loss was to me, so I get to win. At least that's how it seems. Qui est là ce soir? Il y avait le PR de Trois-Rivières. Le top 2 de Trois-Rivières, tout le monde. Yann Snow était là, qui est le troisième, on va se le dire. Après ça, Rémi, qui est... Qui est quatrième? Rémi est quatrième. Rémi est quatrième à Melee à Trois-Rivières. As-tu complété ça? Non? Non, pas fini. Dude, il faudrait que tu te pratiques à Melee, là. Ah, il faudrait vraiment que tu joues à Melee. Tu serais tellement bon si tu pratiquais, là. Parce que la partie fondamentale, tu l'as. C'est le tech skill pis les connaissances que t'as pas. Parce qu'avec des chics, il y a des choses que tu fais pas que tu peux faire que c'est vraiment fort, là. Genre dans True Tech Chase, là, c'est tellement bon. Vous devriez, vu que vous avez deux channels, un pour Melee puis un pour Smash 4, on devrait se hoster entre nous autres. SSBQC, vous devriez nous hoster. Les lundis, on va se mettre à vous hoster. On pourrait faire ça. Ouais, on va se mettre à les hoster. Pourquoi le mercredi, on hosterait pas Smash 4 aussi de Québec? Parce qu'on stream sur SBTR. Si on n'a pas deux channels. On pourrait s'en faire un autre channel, ouais, en fait. C'est si on fait nos weekly les mercredis. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais du moment qu'on stream pas, en fait, on pourrait hoster d'autres choses. On devrait hoster les gens du Québec. Faudrait se le dire, là, entre channel québécois, on devrait tous sauter. Faut qu'on unite, puis faut qu'on devienne gros au Québec. Salut Rémi. Salut Remix. Fait qu'on a un PR officiel, hein. Oui, on vrai, a notre top 5 officiel. C'est vrai, là. Les 5. Je pense que 5 c'est Mi Senpai, je suis pas sûr. Les deuxièmes 5. Oh, c'est Sto. C'est Sto? 16. Tu mettrais Sto 5. Non, check. Toi, moi, c'est Sto le. Pas vrai. 5e, ouais. Notre top 5 à Melee, c'est Sto. Sto est 5e à Melee. Juste parce que Mathieu est Mi Senpai. Parce que sinon, ce serait Mi Senpai. Ça fait que Simon est 2e à Smash 4 et 5e à Melee, ouais. À Trois-Rivières. Il a joué Ganon quasiment toute la soirée. Hein. Excellent. Ouais, c'est bon. This is great. Baz, I hope you speak French, because. Does he? I don't know. I'm pretty sure he does. I think he does. Even Quebec. At least he understands it, I think. I hope so too. He is in Montreal. Everybody well, the English thing is English. In Montreal. Well, yeah, everyone speaks both languages in Montreal. At least they understand it. Yeah, you can say something in French to someone. Yep. They might reply in English, but they will understand. Exactly. At the Smash Love, that is. That's our experience so far. It's such a great feeling in the Smash Love. Yes, the atmosphere is great in there. Both people speaking English and French, yep. And understanding each other. The garage here feels like the Smash Love, I feel like. Also it feels similar. I don't know. There's couches, it's laid back. People are not too serious about it.
We have fun. It feels like it feels much more laid back and fun than the Gamer Spot or the classrooms in Quebec. Yep. It feels much more friendly. Mais à Concordia. C'est en fin de semaine ou en fin de semaine prochaine? It's this weekend. I can't. I would have liked to, but we are going to Gummel, so I have to save money. Also, I have to save up for living in Montreal, actually. Which is pretty fucking expensive. Will you work? Not on my first semester. If I can handle it, then I will. If not, then I'll live the broke life. And I'll... Montreal student life. Yeah, and I ask my parents for money. But I think I'll be good working. Yeah, that's them, these guys having fun. Hey, venez donc jouer ici tant qu'à faire, les gars. Ouais, venez jouer en stream. Tant qu'à faire, là. Let's pick up fun. Jan Snow is so mad after losing to Remix that he's picking up Fox. He is so mad. But I personally think that Fox suits Jan Snow really well. It does. He will have to work on tech skill a lot, though. He will do. But Fox is this kind of character that you can play like I do, which is super aggressive and very punish heavy. Or you can play it like Jan Snow would, which is a lot more campy and evasive. You can do it. Like, it's this character that fits all playstyles. And campy foxes can be extremely scary. Like, extremely scary. Because you never know when they're going to approach. What I want to say when I said that it suits Jan Snow really well is that Jan Snow is the kind of guy that is looking for perfection. Yep. So picking up the top piece of tears. Jan Snow is a Mewtwo King. Yep. He is. He grinds, he thinks hard, he learns how to react in precise situations, he knows what to do when this happens. And so Fox, Marth, and Sheik are the best three characters for Jan Snow. Because they're the kind of characters that allow this kind of playstyle. Like me, I'm more of a execution-heavy player, and a bit of feeling too. So Fox, Marth does fit. Characters like Sheik I have more trouble with, because you have to think a lot. Falcon, I can't take chase for shit. I just suck at reacting. I'm decent at baiting a reaction and then punishing hard. That's... at least I think I am. Well, at least that's the kind of playstyle I wish to play. Yanni, gêne-toi pas de faire des angles par le haut. C'est vraiment assez. Gêne-toi pas de faire des angles par le haut. Quand tu fais un Firefox, essaye pas d'aller sweet spot le ledge à l'horizontale. Ça marche juste pas. Fais des angles par le haut, puis fade back vers le ledge, mettons. C'est surprenamment safe. So yeah. I want to go to the Smash Love next week. Now. You want to go to the Smash Love next Wednesday? I want to. I want to go. I would like to, I guess. That would be sick. Like, we can have... we couldn't have a Smash Garage on Wednesday, though. Can you... on the 11th. Can we, like, have the Smash Garage weekly on Monday? Not sure, yeah. Next week? Could we? At Montreal? Monday cool. Could be a great day. For now... Monday would be good. We do have more but weekly D&D game. Baz, we can't. We'd love to, but we just can't. Falcon! What happened? Falcon! Did he just push himself off with his fist? He just pushed himself off. But yeah, Baz, we'd like to come next Wednesday to the Smash Loft, so maybe we'll see you there. I guess there'll be a shitload of people. Since there probably will, yeah. But it's great when it happens. Yeah.
Yeah, they're done with the semester, so it's going to be stacked. It's going to be very stacked. But it's good. It's nice having this kind of vibe with a lot of people, and I like it. I really enjoy it. Like, even if you don't get to play that much, just the atmosphere in there is so great that... It's very hot, though. We had 40-something tonight. Oh, that's pretty good. We had 12, so it's... 40 is great, because we had 12. Faut vraiment que tu le grindes, ça. Là, tu rates ton L cancel. Tu rates ton L cancel tout le temps. C'est. Le L cancel, c'est 5 frames avant de toucher le sol. Fait que c'est quasiment en même temps, juste un petit peu avant. Là, tu l'as eu. Là. Puis c'est. Faut que tu L cancel puis tu chaînes le plus vite possible. Faut que tu pratiques tellement longtemps, là. Je floppe beaucoup encore mes tech skills. Puis je les ai tellement pratiqués, là. Sur shield. Sur shield, c'est hard. C'est tellement hard. J'ai pas le réflexe aussi de commencer à faire du shield pressure. C'est cool, mais qu'il va faire un beau raptor boost cancel. C'est super facile. Sur run off, le faire dans l'autre sens. C'est super facile. À peu près, ouais. Sauf que si quelqu'un approche, ça trigger l'animation. C'est ça que ça chie. Vous jouez qui, vous deux? Les deux mêmes sont à l'écran en ce moment. Ouais. Je joue Fox. Mon secondary, c'est Mark. Mon secondary, c'est Falcon. Pis si tu remontes dans l'archive, mon set contre Yann Snow, on a fait des Mart Ditto et j'ai fait mon sickest combo à vie, je pense. Avec Mart. Pour vrai, là, c'était un de mes préférés à date. Ça, avec ceux qu'on. Oui, on a rajouté encore. On peut en rajouter. Pis j'ai joué Falco avant. J'ai fini par lâcher Falco à cause de son recovery. En partie son recovery, puis aussi parce que je sais pas pourquoi j'ai lâché vraiment, honnêtement. C'était à Polybash. C'est à cause de Polybash que j'ai lâché Falco. Parce qu'à Polybash, je faisais des friendlies avec Flamzy, Flyskiller, puis Lunardusk, je pense. On faisait des doubles. Puis Falco en doubles est pourri. Vraiment mauvais. Falco en doubles est pas bon. Ça fait que pour faire les friendlies, j'ai décidé de prendre Fox. Puis j'étais agréablement surpris d'être capable de faire des choses avec Fox. Il y a APM aussi, hein. Il y a APM, j'ai joué Fox. Mais c'est plus ou moins APM, c'est soit à mêlée parce qu'en Dead Friendly, j'ai joué Fox puis j'avais du fun. Puis en revenant à Trois-Rivières, j'ai pratiqué mon tech skill. J'ai pratiqué Falco beaucoup. On est allé. Après ça, on est allé au Monthly de. J'ai pratiqué un petit peu Fox, puis on est allé au Monthly de Québec. J'ai encore joué Falco. Sauf que là, encore en Friendly, j'ai joué Fox. Et après ça, dans mon tech skill, je me suis mis à grinder Fox hardcore. Hard, là. Puis après ça, il y a eu l'épisode que tu jouais plus pendant deux semaines. Puis moi, je faisais juste grinder Fox. J'ai grindé mes tech skills, grindé des scrubs, juste pratiquer mes combos. Après ça, j'étais allé au Weekly de Québec tout seul. J'ai joué Fox, puis j'ai été agréablement surpris de mes résultats. Donc, je suis resté Fox. C'est rough un lundi. Mais moi, c'est rough parce que le lundi, c'est comme que ouais. Je suis notre game de D&D. Ouais, mais moi, j'ai quasiment fini mes cours, là, enfin. Mais ouais, c'est ça. J'ai fini par switcher à Fox pour la constance en fait, être constant. Et je pense qu'il est moins risqué. C'est beaucoup moins risqué que jouer Falco. En tout cas, moi je me sens plus safe à jouer Fox. Puis dans le match-up Mart, je suis terriblement mauvais avec Fox. Donc je prends Mart. Match-up chic, j'ai l'impression que je m'en sortirais mieux que Mart aussi. Mart, c'est juste que j'aime tellement ça. C'est agréable, ça flow, c'est... J'ai peut-être gagné mon set contre Phoenix, mais dans mon cœur, j'ai perdu. Ben, c'est qu'il a joué Roy. Il t'a sandbagué. Pour vrai, il t'a sandbagué. Il aurait pu gagner. Mais bon, c'est ça, c'est son erreur. J'ai intention de faire un tournoi à Saint-Jérôme bientôt. Tiens-nous au courant, ça serait intéressant. Ouais, c'est à côté de Montréal. Ça sera vraiment pas free. Puis, pendant l'été... Je vais essayer de me déplacer à budget. C'est essayer de sauver faire des carpools, sauver de l'essence, m'amener des lunchs puis tout. Fait, je vais essayer de pas trop dépenser, mais en même temps, je vais essayer de me déplacer beaucoup là, pour aller get good à Melee. Puis, milieu du mois d'août, je déménage. Déménagement en juillet? Non, j'amène mes affaires en juillet. Okay. Puis, il faut que je continue à travailler le plus longtemps possible. Milieu du mois d'août, deux semaines avant le début de la session, je déménage. Je m'en vais m'installer, je m'habitue à être là, je vivre en appart puis me mettre dedans. Là. Puis, I'll say it in English for Baz,
I'm going to be on Patreon for the Smash Left. And I'm gonna be there all the time. Is it cheaper if you're a patron? That's my question. Is Baz still in the chat though? Yeah, he is. Baz, is it cheaper to attend weeklies if you're a patron? Because if yes, then I'll definitely will. What is Patreon exactly? It's a donation system where you pledge to give a monthly amount. You actually engage to give a certain sum of money each month. So usually it's variable, so you can pledge for $2, for $10. You can pledge for $1,000 per month if you want. But the point is, you pledge some money monthly, it's like a subscription, so it will automatically take it from your account or your credit card. And people who do that usually give you incentives to do it. So if you're a patron at the Smash Loft, I think it's a bit cheaper. And you get to have buys and... And you can sell your pledge? You can, anytime. And you can... I think at Smash Loft you can arrive late if you're a patron or something like that. Like, they give you a chance to arrive later or something. I don't know exactly what the advantages are, but I know there are some. I do think you save a bit of money, though. Since you give the money at the beginning of the month when they need it... You choose how much you give. Thing though is that I think for certain adventures you have to give a minimum amount, usually. So, for example, maybe on a stream, if you pledge like $5 a month, you get to play with me on stream. If you pledge 10, then we do set analysis, and then many streamers do that because it's a good way to get an income and it's fun for the viewers. Pittsburgh Agony. I don't give a shit about hockey. I really don't. I'm such a horrible Quebec. The hockey sport is alright. It's fun. It's very fun. Don't get me wrong. But we made it become in Quebec. Yeah. It's disgusting. I'm such a terrible Canadian. I don't like hockey. I'm not that nice. I don't care about politics. I'm such a cynical bitch. Well, I still live happily, I guess. Knowing that you can't have faith in humanity. There we go. That's what you need to do, up airs. And stop doing down airs and neutral. So many up airs I did against Sensu. It was great. It was very great. You have to do this kind of thing against floaties. It's so good. Up airs and up airs, back airs and nairs are. It's so good. That works against Mario. Yeah, politics are. Yeah, they're dance gaming. Especially Quebec's politics. It's ridiculous. It's so discouraging just thinking of it. What is more discouraging, politics or people in general? People in general, actually. Well, politics kind of come from the fact that people in general are disappointing. And there is good choice and bad choice. And it only comes to people. But yeah. What they choose. And most of the times, it's not that great. Baz, reply to me. I want to know, is it cheaper if I'm Patreon? Because if so, I will. I'll give you my money. Like my ramen money. So the goal is to get good in Montreal and then get to top 8 in weeklies so I can get ramen money. That's the objective. I'm going to eat so much ramen. But, good thing I actually like ramen. I'll try to get the medium tier one. Like, not the Mr. Noodle tier, that's garbage. The Nong Shim tier, which is very high, it's a bit more expensive, so maybe not all the time, but maybe like Sapporo Ichiban, this pretty decent ramen. I don't know shit about ramen.
It's all crap. to be fair, so it's all crap. Oh yeah, it's. That's why you're so salty. Yep, I'm salty by nature. I'm not a patient person. I'm always rushed. I'm always intense. I want to go fast. I'm salty by nature. So sometimes. It's not working like you want. It's yeah, yeah. More very often. Let's say it's this way. I'm trying to working on it. I'm working on it very hard. I've had issues with it. Oh! So guys, that was Smash 4's neutral at its finest. No, that was the Brawl neutral. that was great. That was actually a very, very good wait on Kulam's part. That was great. Yeah, I could have walked just up slowly. He could have walked up slowly and charged a down smash. The meme would have been strong. Hey, I did start a meme earlier tonight when I said Emi Senpai is dead, and then everyone started. Stupid girl! Emi Senpai is dead! Hey! That has to become a melee meme in Trois-Rivières. We were talking with a couple of guys yesterday, man. We just realized that a lot of our community has so many memes. You have to! In Montreal, in Smash 4, one of the dankest memes they have is Brisk. Brisk? Yep, the iced tea, Brisk. That's because. We have the apple juice here. Yeah, the guys from We Tech Those drink a lot of Brisk. And one day, I think I was there live. No, it was a replay. Kai Red or Hermit now, the Yoshi player. I did friendlies with other, you weren't there. He's a Yoshi player, he's pretty good. He was on commentary with his Yoshi plush. And he was commentating with his plush. That was hilarious. And then they just threw the plush on the couch. It was Yoshi against Brisk. Yeah, with a controller. Yeah. And then they threw Brisk. It. And it was a Brisk versus Yoshi money match, so it became a meme. It was such a funny video. I heard also about the OWI meme. Yeah, OWI is a meme. I know Eli says it. And Morse. Morse says it. It's like all the old school players in Montreal say it. So is it a homie bomb or? I don't know. Maybe Bass could tell us, but I know OWI is a thing. And Eli says it. Because the first time I met Eli was in Drummondville. The randomest of tournaments, Eli was there. Like, you just show up to a small-ass 15-person tournament in Drummondville, and then there's the, like, 15. Really? Yep. It was three pools of five people. Much. And I was in Eli's pool. you were took for 15 people. Yep. They did. That was the shittiest tournament ever. And I took one stock from Eli. I was super proud of it. I was so scrubby back then. Yeah, Eli showed up. I was like, is this Eli? Is this the Eli? And you didn't know about him, bro, yeah? No, I didn't know it was coming. I knew the guy. Then I show up. I heard like, yo, Eli. Eli, why the fuck would he come here? Then I see two guys arriving in Boreal jerseys. Eli and Holy. I'm like, whoa. And he was playing in Grand Finals versus Holy. And like at one moment, Holy just air dodges in the ground. Eli goes like, oh, wee! Up smash. It was hilarious. That was the funniest thing I did. It's like, kind of old. It's pretty old. It was. Yeah. At least 1 year back. Yeah. It's been a while. I know it's still a thing, though. Is it a Brawl thing or? I don't know. BM thing maybe? Does Mork? Didn't Morks play Brawl? Did I'm not sure he did. I'm not sure. Maybe he does play Brawl. Because I know another Brawl meme in Montreal is the Sword Guards Comeback PR. It's a very, very old meme. It's an old thread on Smash boards. It's a power ranking in Montreal, but it's about being a scumbag. It's so dumb. And Sword Guard, he did show up at SATR 5. He doesn't play anymore, though. Yeah, I don't know. Just stopped playing. He's very good, though. Yeah, it was Rosalina. This guy's so good. But yeah, the rules was, first of all,
Sword Guard has to be there when you're nominated for the PR. Like, if you want to be on this comeback PR, Sword Guard has to be there. And then, the second rule was like something like, nobody's greater than Sword Guard. greater comeback than Sword Guard? Yeah, something like that. It was... I need to find it and show you. It's so hilarious. And like, it's all pictures of the guys holding money they won. And Eli's picture, he's like, with his controller, holding a copy of some game, I don't know which one. And somebody else is holding his money next to him. It's so good. I need to find it. It's just too good. It was Kaio. It was Kaio who post. He's too much of a scumbag to hold his own money. No, who was the guy behind? Who was the guy holding the money? I don't know. We don't see him. It's just a hand. It's the funniest thing. I need to find it. Show me a move. Sword Guard. Let's just look it up this way. There's actually pictures. Yeah. Dude, it's so hilarious. Oh shit! Bali Bash, Yuto King, and Chibo versus Tombird and Sword Guard. I don't know. Dude, Leon was at Bali Bash. What the fuck? Isn't this guy your? Oh no, he's American. Yeah. Yeah, I know Sword Guard did play Brawl a lot. Let's look up Sword Guard and Scumbag. One? Yes, it's this one. Okay, welcome to the Scumbag PR. How to get on it? Sword Guard must be in attendance, but not only that, he has to bring his Scumbag glasses. No other glasses can be used because True Scumbag only comes out of his cheek. You must play Step 3 at the Legend Tournament. Sword Guard has to approve of new members. He has the right to deny you. Scumbag. So the first one is Sword Guard. Second one is Ally. He's holding a manga, and someone holds money for him. This holy nightmare. Guard is on hit. It's like, it's the funniest thing. And there's gifts. Dude, this thing is too good. Like, this is gold. This is a golden thread. And then you see Marks on 2012 with his hat. Man. This is so good. We still need a Charles picture. Charles picture for the trash can. Yep. And there's no garbage bag in the trash can. I realize that. So, we do have bags that don't fit in the trash can. We need to buy a box. So for now, we will be using those bags. Yeah. But this one, it works. Does work. Does work. Third person is does. Does work. As a concierge. Janitor. And he'll try it. He'll see if he can steal some. If he can snag a bit. But we could just buy some. Like, I mean, it's not expensive. It's not expensive. It's like $10 for a box. He got hit by that fucking punch. Rip in pasta. So tomorrow I'ma have a fascinating programming experience. That was beyond bad. There would have worked. There would have worked. That's the thing. Like, he had the kill there. I don't know why he went for a shine or anything else than there. Oh, that was so close. That was so close! Wow. Jens, no, you should stick to Fox, I think.
Or Mart. Or do like me and play both. They're both fun. Fox is fun. Fox is very fun to play. Mart is so... It's like, I prefer playing Fox. Like, Fox is a lot more fun, I think. But Mart is so smooth when you can move right. It's so pleasant. It's a, you just feel the flow and the moves. And Fox and Mart are so smooth. Yep, they are. Way more than Fox. That's why I like playing them, because I like moving. That's like why I switched to Melee the first thing, is it's so fast. I just love moving around. I can spend hours moving around on the stage. I don't mind. What the hell happened there? It was like the weirdest DI on the platform. I don't know. Oh, I'm getting tired. We'll have to shut it down soon. Oh yeah, that was a great night. Oh yeah, we will. And we have to set up crew battles for Smash 4 as well. Yep. But those will be after weeklies, yep. On Tuesdays. And it will be Thursday. Yep. Keep the same team. Yeah, we have to make crews and keep them for at least a season. Yep. So crews can make strategies. Exactly. Like, you don't really train as a crew, but you know who to pick against who. Like, for example, Stowe is up, don't put me against Stowe. I suck. Community overall, yeah. People. You've seen Quebec yesterday, coaching themselves. Yep. Coaching each other. I feel like I'm not that good at Smash 4, but I feel like I can give some good insight on coaching wise. So I think I'm gonna start trying to coach Stowe and people and see if they would like it. Because I mean, I suck at executing in Smash 4, but I do know a bit about the neutral game and what works and what doesn't, and the general Smash stuff. Like, I'm no pro, but, well. I think I do have some basic knowledge about Smash 4. Yeah. I suck at Smash. Oh, nice. That was nice. That was super risky, but that was nice. The little I coached in my Smash career, it did help the person I coached. Is the light good for the camera? It's all right. We really need to put neons there, though. We need to put up a light right there. What if I bring my... A lamp would be good. Like, put the lamp there. Like, okay. That would be good. Maybe we could find one for free on Kijiji. I do have one upstairs. Oh, you have one that doesn't you don't use? Just bring it in. We'll see if we rearrange the setup for the stream. For the stream, we will. Oh, yeah. I really feel like we should put the stream right where... This setup, right where we are right now. Yeah. Close to the wall, so people face this way. This couch, put it there. This table goes next here, next to the sideways, so the streamer is sitting with his back on the wall, and just put up a screen on the side with the camera pointing on the couch, yep. So that both commentators can just sit on the couch and chill. I guess that's my view of it. Anyway, the back here isn't really useful for anything else. Like, people don't really chill there anyway, they just chill around their consoles. And so I think we should try it. If people don't like it, then we could just make it another way, or I don't know. Put chairs in front of the couch so people can sit on the couch behind. Right now it was okay for tonight. It was great, it was great. It's really not optimal right now. No, it's not optimal. It's the first time though, right? Okay, we'll make it better. Yep. I should back up, but I'm having such a good time just talking and watching these plays. I don't have anything special tomorrow except work at 5, so we're good. I do have an 8-to-8 game tomorrow. That's rough, man. That's so rough. That's okay, I guess. At least your job isn't very physically demanding. Yesterday was so freaking demanding. I was so fucking annoying over. You already puke in that elementary school. No, I never did. The feeling is just so wrong. Like,
You're just puking in the toilet. You're supposed to be an example. Exactly, and there's kids behind the door that are waiting to kids just see the guy who's responsible for their safety. Exactly. Just puke. Exactly. Because he drank too much. That's exactly what happened yesterday. Wow. Well, oh well. I was feeling so bad. I think they're too young to realize that it is because you drank too much. So they just thought you were sick. And maybe it was like, he's sick, but he really wanted to. Yeah, they just didn't know you were trying. You weren't over. So you're good. They didn't even know that I was drinking. Oh, you're good then. You're all good. Has to be the longest shift in my life. Yeah, working. Working hungover is the worst thing. It's never been this bad for me though. That was a great reaction. That was great. So are we planning to have another camera for the overall view? Yes, we should put up another one. Like. And will we put four? Yep. Screens? There's gonna be four screens. The game is going to be down there. Wow. Yansno is hyped. Yo, just play Falco. There's no Falco in TR anymore, so just play Falco. My view of it is to put the game down. Both players over the game, so it kind of goes together. Then, oh sorry. Commentators and overview. That's how I see it. Okay. Just wanna look back at this overlay. And will it leave the score like this, or maybe move it? I don't feel like putting it anywhere else. So maybe we could move the names there with the score. That could work. And it depends on what player, where player sits. Yeah, make it depend on which player sits. Oh no, because then characters, yeah. Yeah, and which port you use. Yeah. That will be what. It's about ports. And it's also about where you sit. Yeah, because this way it's pretty nice. I like it. I mean, for the few people that watch us, I think they know who plays who. No, they don't. Well, yeah. Earlier. And okay. Well, oh well. I mean, oh wow, that was a great chance. Did you see how both of them just leveled up with these characters? You see that they're learning right now. Yep. They did improve from just an hour ago. Yep. It's very nice. I love this game because when people give it a minimal effort, you see an immediate improvement. Immediate. I don't like people telling me that they don't want to play Melee because it's too much time. It's not that much time. It's really not. As I mean, much as time as it is for Smash 4. Yeah, if you want to get to... I'll refer to myself, I'm not that great, but if you want to get to my level of tech skill and execution, yes, you do have to put a lot of time in it. But if you just want to get decent with a character that doesn't require that much, it's perfectly doable. Like Sheik, like Captain Falcon, like Marth, it's doable. Like, you don't need that much time. I mean, the guys who say it spend hours playing Smash 4. Like, just take a bit of that, play Melee instead. You'll learn it eventually. Like, it is a lot of time invested, but it's invested differently. Because Smash 4, you pretty much only play with people to get good. You just play and play and play. Melee, you do have to stop and practice tech skill. Yeah, Smash 4 is like a rock, paper, scissors game. It's so neutral heavy that it's always who reacts the best. Melee, it's very neutral heavy, like any fighting game is. But once you get that opening, you have to know how to execute. Which is, to me, the best part. Execution. I just love it. So Yansno figured out how to use the down air. Contre un Fox ou un Falco qui side B, c'est vraiment bon. Contre Falco, fais attention, madame, parce que tu peux te faire spike. Hurts my feeling every time.
Is there people watching us? Still? Oh, not much. Okay. Who's there? Fritos and Epic. Fritos hasn't said a word all night, I think. He's a lurker. Fritos, oui, il a parlé. Oh, il est? C'est un gars, il me semble que c'est un gars de sa boniface. Oh, c'est ce gars-là! Oui, oui. Okay, oui. C'est lui, ok. On en veut des joueurs de melee, man. Faut qu'on commence à faire des posts sur toutes les pages publiques de Trois-Rivières possible. Descend Smash 4 aussi, je pense. Nice. C'est tout ce que je vais faire. Je vais faire une affiche avec cette espèce de design là, Smash Garage, Melee Weeklies. On va afficher ça au GamerSpot, on va afficher ça partout. Genre, je fais ça pas nécessairement Smash Related. Juste genre Smash Garage. Pis... c'est pas de personnage de Smash, pas de Smash Ball, pas de. Un garage pour jouer à Super Smash Bros. C'est un garage, ça va juste piquer la curiosité en fait. Smash Garage, c'est quoi ça? Les voix genre des gens de garage. S'ils connaissent pas ça, si genre, faudrait qu'on fasse une page Facebook Smash Garage. Ouais. Pas un groupe, une page. On pourrait mettre des gifficats des événements, poster ce qu'on fait comme événement. Est-ce qu'on a des photos également? Inviter le monde à liker, mettre des photos. Tu veux faire une page ou un groupe? Une page. Une page, ok. Ça pourrait être un groupe aussi, hein? Pour que le monde puisse partir. Ouais, ça pourrait être un groupe. Moi, je serais un groupe. Un groupe public. Ouais. Je sais pas, je vois pas l'intérêt en fait, si on a. SSO est trop bien. Je vois pas pourquoi on a une autre page. Ben, parce que. Je sais pas. Parce qu'il arrive, c'est que les gens qui veulent, mettons, vraiment jouer à Melee. Je sais pas si c'est vraiment le cas, là, mais mettons, parce que t'arrives sur Smash 4 Rivière, pis c'est pratiquement que du Smash 4. Là. On est deux. Pis on passe quand même du Melee. Ben, je pose de temps en temps, mais pas tout le temps, là. For real? C'est vraiment dingue d'entendre. C'est un crunch cancel DI de marge. Oh, il est encore vivant. C'est surprenant pour vrai qu'il est encore vivant. C'est tellement bad. Ça, c'était un down air vers. Pas un down air, un back air vers l'autre côté. Où ça? Yannis avec ses gants. Charlotte, ça Yannis avec ses gants. Capoté. Moi, j'ai l'impression que si Jack s'est gagné, qu'il les enlèverait, c'est comme 1.2 fois meilleur. Je suis sûr. Oh! Sérieux, hein? Ouais, c'est comme. T'as-tu vu la vidéo de Nairo contre Eli? Puis c'est. Bruce Lee, là. Il enlève ses poils. Exact. Ouais, ben, il a mis ça sur Twitter. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Mais c'est ça pareil qui est arrivé, hein. Eli il l'a démonté, premier set. Il a pété, là. Après ça, Nairo est arrivé, mais il l'a. C'était beyond pété, genre. C'était pas drôle, là. Pauvre Eli. C'est vraiment cool, madame. C'est intéressant à regarder. C'est rare, hein, qu'on voit du pétage à Smash 4. Du bon Smash 4, c'est le fun à regarder. Mais c'est rare qu'on voit du pétage. Ouais, c'est rare qu'on voit du rack demain. Oh, ouais. C'est rare. Les deux sets, c'est vraiment dominant d'un bord puis de l'autre. C'était surprenant, là. Puis aussi, il y a Supergirl Kells qui était OP, man, à AJLX, c'est pas vrai, là. C'était vraiment agréable à regarder. Je pense qu'il est pas encore capable de les short up. Ouais, Yannick, quand tu as des lasers, fais-les pas au sol. Fais un short up avant. Comme ça, quand tu lances, ça cancelle l'animation du laser. C'est plus rapide. Ben, en tout cas, tu viens de faire un ghetto laser, là. Mais ça, c'est quoi? Il faut que Christina, tu pratiques, là. J'ai voulu shine! Oh wow! Oh, ça c'est un cool drop down there. Puis évite de faire des side B on stage comme ça. Je sais que là ça marche, là, mais c'est pas une bonne habitude à prendre. Pourquoi ça marchera pas? Non, c'est ça, contre moi ça marchera pas. Contre Phil ça marchera pas. Contre Rémi ça risque de pas marcher. Tantôt c'est le même que j'ai. What the fuck? Tantôt c'est le même que j'ai pris genre facilement 3, peut-être même 4 stocks à Amy Sampa. Ouais, ben, tantôt j'ai coulant. J'étais quand même pas sur le ledge, j'étais quand même un peu loin du ledge. Il y a Sidebeyond Stage, j'ai l'air smash. J'ai juste attendu qu'il Sidebeyond Stage. C'est vraiment pas une bonne idée. À moins que tu sais que tu vas être cancel sur une plateforme, là, fais pas ça. Puis même là, c'est rarement une bonne idée. Nice. C'est mix-up là. Le ledge cancel, c'est un gros mix-up. Quand tu le réussis, ça peut être crissement payant. Genre, il y a des fois, je t'ai fait des astuces bons comme moi en partant de ça. Il y a des fois, je l'ai puni toi. Oh, il y a des fois, tu vas crissement puni, c'est ça. C'est vraiment risqué. Là. Nice. Essaye, c'est pas facile là, mais essaye de. Tech. Crisse tous tes sticks vers le stage. Ouais, les deux sticks, parce que le C-stick fait de quoi?
quand c'est pour connecter, wiggle les deux, puis fais R. C'est beaucoup d'étapes, mais essaye de le faire, ça vaut la peine. Juste d'essayer, ça va donner du son. Ouais. Parce que si tu les wiggles, ça va smash DI, fait que ça va encore plus l'envoyer vers le ledge, puis tu buffer ton tech en même temps. L'avantage qu'il a Falcon, c'est ça, c'est qu'il sait comment il va se faire game. Ouais. Fait qu'il peut, il peut. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est ça. Écoute, le nombre de tech que je fais de plus en plus. Lui, il a appris à tech contre moi. Parce que je sais que c'est ce qui m'attend. Ouais. Avec Captain Falcon, il faut que tu t'attendes à te faire hit. Tu sais que tu vas te faire hit, ça fait qu'il faut que tu sois prêt à ça. C'est ça qui est difficile avec Captain Falcon, faut que tu saches comment réagir à des hits. Puis, toi, ce que j'ai à dire de ton neutral game en général, c'est que t'es tout le temps en train d'approcher. Avec le down air pis tout, ça s'est amélioré contre Yann Snow. Beaucoup. Deuxième game, j'ai arrêté d'approcher. Oui, mais c'est ça justement, c'est ça, c'est là que j'en viens. Ça s'était beaucoup amélioré, puis c'est comme ça qu'il faut jouer avec Falcon. Il faut que tu essaies un petit peu l'approche en étant safe avec des up air, des falling up air, mais t'en as fait un tellement safe, là. C'était excellent. Des nairs, ça peut être safe. Puis quand tu vois que ça connecte pas, get the fuck out. Genre, dash out, puis si tu vois que t'as une opportunité, là, dash and grab. Là. Genre, pour vrai, Falcon, si t'as le goût d'être agressif, c'est le personnage qui fit pour ça, mais faut que tu apprennes à être plus défensif. Là. C'est tellement important. C'est un personnage si c'est agressif, ça marche pas. Ouais. Parce que c'est un personnage qui dépend de son neutral game tellement violemment que. C'est pas comme Fox que si tu rates de quoi dans neutral, tu peux quand même t'en sortir avec un Shine. Tu sais, Shine, c'est la porte de sortie. Là. Falcon, il n'y a pas ce genre de porte de sortie-là. J'appelle la Channel of Shield aussi contre. Quand tu fais des dares pis que t'as comme pas le temps de grab avant que je fasse un shine ou quoi, j'ai déjà des shines que je manque parce que je suis pas capable de Channel of Shield. Faut que j'apprenne ça, faut que je pratique mes shield drop. Faut que j'apprenne à être plus constant overall. Moi j'ai pas beaucoup joué les derniers jours surtout. Ça fait du bien de moins jouer un peu maintenant. Parce qu'à soir j'ai quand même bien joué. Je considère que j'ai pas mal. Je suis satisfait de comment j'ai joué. Contre Yanni, j'ai tellement l'impression que j'aurais dû gagner. C'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé. Non, j'ai choke. Ouais, mais c'est pas arrivé. C'est ma faute. Non, mais je suis pas mad. Je suis pas fâché de cette défaite-là. D'ailleurs, c'était un très bon set selon moi. Là. Genre son comeback sur FD, c'était bon. Là. Il a bien profité de mes erreurs. Comment? J'étais mort. Game 1, j'étais Fox, j'ai failli gagner pour vrai, j'avais le lead de 3 stocks contre 1. Là, j'ai choqué hard, j'ai perdu. Game 2, mort, j'ai failli perdre, j'ai comeback hard. Game 3, j'étais proche de perdre, j'ai failli comeback. J'ai encore vraiment passé proche de comeback. Finalement, j'ai fait une erreur de trop, je me suis fait punir. Il va falloir regarder quasiment tout mon set. Ben moi, j'ai regardé mon set contre toi, j'ai regardé mon set contre Yanni. C'est les deux sets que je veux voir, parce que c'est les deux sets que j'ai... Tu as un remix on stream? Non, puis je l'ai pété remix. Il y a joué remix. Même son chic, j'ai pas de désaccord. Parce qu'il est pas capable de gérer Fox. Je sais pas comment. Puis je suis capable de le wave shine, puis il tech chase pas. Ça fait que si tu DI minimalement bien de ses tilts, mais il fait rien. Oh wow, bon read. Ah, mais le get up c'est vraiment pas safe qu'à Smash 4, hein, faut que tu saches ça. Là. Surtout contre Captain Falcon avec son esti down smash de merde. Ça couvre les deux options de roll puis de normal get up, c'est vraiment bon. Fait que souvent, il faut que tu refresh ton invincibilité avant d'agir. Belle attente, c'est avec le shine. Oh, il manque une opportunité de genre un dash attack pour extend ou. Oui, il m'a entendu. Ah, c'est ça. Ah, Yanni, faut que tu pratiques à Pillar, faut que tu apprennes ça. Je vais aller pisser vite, puis je vais faire une coupe de game vite avec Falco. Il vient de me donner le goût d'essayer un petit peu. Je vais te montrer comment. Puis ça va-tu bien, pas de Yeah.
gars, notre PR officiel de Melee, hein. Légumes 1, moi 2, Yann Snow 3, Remix 4. Pourquoi? Ok, écoute bien, Remix 4, Sto 5, Emi Senpai 6, Petit Fleur 7, Coulam 8, Twin. Hey. Twin 9e. Puis Kaioken 10e. Grant. Hey. 7e. C'est cool, hein, Chris? Je trouve ça complètement malade que tu sois 7e. Ouais, juste en haut de Kevin. C'est à cause de ça, parce que j'étais à égalité sinon. C'est à cause que t'as gagné. Puis Twin, 9e. Puis Steven, 10e, là. Sto est 5e. Ouais, c'est cool. Je suis sûr que c'était l'été Milly, mais finalement, c'est ça. Non, mais 6e. Check à droite les chiffres. Je vais l'écrire en fait en privé. Je vais juste marquer top. Hein. Remix a brisé la Trinité. Je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse mieux. Il y aurait du jeu mal. Ouais, mais tu sais, il y a pick up chic aujourd'hui. Je pense. Tu sais, il aurait probablement pu battre Twin avec son mal. Il a pas battu Twin là. Il s'est fait deux. Je pense qu'il fait deux hauts par Twin. Tu sais. A battu Yann Snow 2-1. Mais si Yann Snow avait gagné, moi, Légume puis Yann Snow, on était à égalité de points. Puis Jean-Louis m'a battu 2-1. Moi, j'ai battu Yann Snow 2-1. Puis Yann Snow a battu Légume 2-1. Fait que ça aurait été la trinité, genre. Ça aurait été top 3 tout le monde, genre. Tu sais, on aurait pas eu de premier, de deuxième, puis de troisième. Puis là, Rémi, ouais, il a lâché Roy, il a joué Chic. Parce qu'il voulait battre Yann Snow. Ouais, il l'a battu. Fait que là, ça a fait que Yann Snow a un point de moins. Fait que juste moi puis Justin à égalité, mais vu qu'il m'a battu, c'est lui le premier. Ah, il était piste. C'est ça. Hein. Sto, il a juste perdu contre le top 4. C'est tout. Il a battu tout le monde. Tous les autres. Coulam, t'as pris une game à Sto? T'as pris une game à Sto?
ça me perd pour Game Master aussi. Je vais gagner. Ah, c'est vraiment cool, c'est vraiment une belle soirée. Ramon, il reste un gars de Québec. Puis Frita, c'est un gars de Saint-Boniface, je pense. Puis il est intéressant à jamais aller. Puis à Smash 4 aussi, je pense. C'est un gars qu'on connaît pas encore. Je pense. Ça, c'est lui. Saint-Boniface, c'est pas loin, ça. T'es un peu comme réaliser le rêve d'un enfant malade. Sword Guard, dans le temps de Brawl, là, ça fait longtemps, en 2008. Et puis, dans le fond, je sais pas c'est quoi, mais c'est un tier list de scumbag. Puis, ça c'est Sword Guard, qui est top numéro 1. Et là, il est numéro 2. Il est tellement scumbag que c'est même pas lui qui tient son argent. Oli, ouais, c'est un Brawl, Oli, c'est Oli. Oli est numéro 3, puis Guard est numéro 4. Ils ont toutes les lunettes fumées du comeback, là, ils se prêtaient la paire, là. C'est fucking drôle, là. Ah, c'est drôle, là. Hey, ça, c'est fucking drôle, là. C'est même pas lui qui tient... C'est un livre, hein. Mais c'est même pas lui qui tient son argent, là. C'est quelqu'un d'autre qui le fait pour lui, là. Il est hors de question que... Hey, là, il tient de l'argent, là. Lui, il salira pas les mains. Ah, c'est drôle, là. Hey, moi hier j'ai appris sur Blur, joue plus Brawl. C'est un. Il allait d'un monthly de Brawl, où il était 15, dont Oli, Eli, Sword Guard. Il était une quinzaine, là, dont lui, dont Schumberg. Ça fait fucking longtemps qu'il joue, là. C'est pour ça que ça m'a. J'ai comme fait comme Chris, Dom, il a pris une game à ce gars-là, là. Tu sais, j'ai catché qu'il faisait longtemps qu'il jouait quand il a dit. Pendant qu'on commentait, là, il a dit, ben moi j'étais allé à Apex, je sais pas quoi, genre. Ça fait fucking longtemps qu'il joue. Tu sais, il n'y aise pas. La parade gay. Ah, c'est Hard Life Falcon. C'est pas facile, Falcon. Je mets juste des chiffres de même depuis tantôt. Au début, c'était comme 5 à 2.
Tout ça, quand t'es 12 à 4, je suis rendu 46 à 20, là. Je vais juste mettre des chiffres. Mais lui, ouais, moi, je pense que je vais arrêter. Bonne idée. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas un story en plus, hein. Tout est petit, hein. C'est tout petit, pis fais juste imaginer Bart au milieu du stage. Hein. Imagine qu'est-ce qu'il peut couvrir en balayant les prix. Hein. C'est Tipper Story. Hein. Quand Bart est au centre de ce stage-là, c'est fucking dangereux. Tantôt le Falcon Punch qui t'a pogné Justin, hein, c'était un Mist and Pops. Ah ouais, c'était pas vrai. Ce qui fait capoter avec ça les plateformes, c'est que même si tu deck, le tilt pogne pareil. Hein. Ça couvre tout. C'est batté. Hein. Oh my god. On a eu 11 ou 13, c'est quoi de même? Ouais, alors regarde. Et Montréal nous ont hosté. Ouais, après leur trésor. Toronto qui nous a regardé un méchant bout. Ziga Wolf. C'est quelqu'un qui suivait Castellan après qu'il suivait. C'est pourquoi tu parles Kevin? Parce que tu joues le Falcon Rouge. C'est-tu comment il s'appelle le Falcon Rouge? C'est Captain Puffin. Faut que tu joues le bleu, Captain Puffin. Mais tu vois qu'il est en mode pas fun aussi là. Non, Axe il joue à Rose. Axe Money.